Je suis très fier de vous présenter mon incroyable Chair Test où ce sont vos spectateurs qui feront tous les choix. J'ai la chance de jouer Impossible Choix aux quatre coins du globe et à chaque fois que je le présente, c'est un véritable succès. Je n'ai pas hésité un seul instant à partager mon œuvre à la communauté magique. Alors découvrez tout de suite Impossible Choix. Trois spectateurs sont invités sur scène, un homme, une femme et un adolescent. Chacun d'entre eux va choisir une enveloppe et prendre place sur l'une des trois chaises. Ils sont libres de changer d'enveloppe et de place autant qu'ils le souhaitent. Depuis le départ, vous avez trois enveloppes numérotées, la 1, la 2, la 3, qui sont posées au sol. Afin que vos spectateurs, y compris vous, ne sachent plus où se trouve tel ou tel numéro dans les enveloppes, vous allez simplement sortir la feuille pour cacher vos numéros. Vos spectateurs ont désormais fait leur choix définitif. Ils ont pu changer d'enveloppe et de chaise autant qu'ils l'ont souhaité. Passons désormais aux premières révélations. Découvrons maintenant ce que contient l'enveloppe qui était posée devant la chaise de l'homme. Le numéro 2. Nous avons vu précédemment que l'homme a pris place sur la chaise numéro 2, l'ado sur la chaise numéro 3, la femme sur la chaise numéro 1. Découvrons ce que contient l'enveloppe que la femme a choisie au départ. Je suis assise sur la chaise numéro 1. Chacun a désormais pris connaissance de son message qui correspond aux places choisies. J'ai dans cette pochette trois enveloppes avec les chiffres 1, 2 et 3 que je vais attribuer selon les numéros de chaise. L'adolescent ouvre son enveloppe et y découvre la carte ville. L'homme découvre le mot vêtements. Et la femme découvre le mot animaux. Je vais à présent remettre à chacun des trois spectateurs un carnet représentant le mot qu'il a découvert dans son enveloppe rouge. L'adolescent a le choix parmi 160 noms de villes toutes différentes. L'homme a le choix parmi 160 noms de vêtements. La femme a le choix parmi 160 noms d'animaux. Chacun des trois spectateurs va désormais choisir un mot dans son carnet. Prenons l'exemple de l'homme avec son carnet vêtements. Il va l'ouvrir n'importe où. Et ici, par exemple, il aura le mot robe de mariée. Avant de passer aux révélations finales, je voudrais attirer votre attention sur le nombre de combinaisons possibles. Selon vous, 1000, 2000, 5000 ? Vous découvrirez dans le livre qu'il n'y en a pas moins de 4 millions. Pour finir, chacun de vos trois spectateurs découvre le contenu de leur tube. Il s'agit de trois messages très particuliers que je vous laisserai découvrir dans cet ouvrage. Le magicien avait prédit du début à la fin tous les choix des spectateurs. Impossible Choix est un numéro extrêmement puissant. Retenez que ce sont les spectateurs qui effectuent tous leurs choix. Vous n'êtes finalement qu'un simple témoin de leur incroyable expérience magique. Rien de plus. N'attendez plus et faites voyager vos spectateurs.